Yes, I love him. Oh, because he first loved me. Oh, and purchased my salvation on Calvary. With all your heart, well now I love him. Yes, Lord, I love him. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah, Father. Amen. Thank you, Lord Jesus. Oh, blessed be your holy name. Thank you, Father. Amen, amen. Amen. Praise his holy name. Well, thank you, Brother Tom. Merci, Frère Tom. I'm just going to switch to Samson. Amen. Well, if you have your Bibles, si vous avez vos Bibles ce soir, just some brief comments from Brother Coleman. Quelques commentaires brefs de Frère Coleman. The message this evening. Avant d'aborder le message ce soir. His holy name. Joshua 13, verse 1. Josué 13, verset 1. Joshua 13, verse 1. Now Joshua was old and Josué était vieux, avancé en âge. And the Lord said L'Éternel lui dit alors, Thou art old tu es devenu vieux, and tu es avancé en âge. And there remaineth le pays qui te reste à soumettre est très grand. May the Lord add a blessing to the reading of his word. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions. Our Heavenly Father, notre Père Céleste, Lord, how we thank you once again for the privilege nous remercions encore une fois pour le privilège d'être ici ce soir. We ask now, Father, that you bless these nous te demandons maintenant servant. De bénir ces paroles de ton serviteur. We ask, Lord Jesus, that you be with him this evening. Demandons d'être may avec lui ce soir. His body, Father. Fortifie son corps, Lord, Père. Jesus, may your healing waters flow upon que les eaux de ta guérison s'écoulent sur lui, Père. Father. Now, Lord Jesus, lift us up into maintenant, the Jésus, Spirit, Father. Élève-nous dans l'Esprit, Père. Hide us in the cleft of the cache-nous rock, dans la fente du rocher. Lord Jesus, and may the Holy Spirit et Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce service. Au nom de Jésus, amen et amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Amen. So I'd like to start off with a testimony. J'aimerais commencer par un témoignage ce soir. Before we get to the words from Brother Coleman. Avant d'aborder les paroles de Frère Coleman. Cher Frère Coleman, I consider it a great honor je considère que c'est un grand honneur, un grand privilège de pouvoir vous écrire en tant qu'apôtre et pasteur de notre Seigneur Jésus-Christ pendant cette saison de l'adoption. Je vous remercie pour le fardeau que vous avez eu pour l'épouse autour du monde. Their position in Christ, pour qu'elles reconnaissent so sa position en Christ, out and possess afin their que les gens puissent avancer et prendre possession de leur héritage sur la troisième phase. C'est par votre ministère, grâce à votre ministère, j'estime que les Écritures de Jean 14, 20 deviennent plus réelles pour moi, ce verset, comme nous nous approchons de cette pierre principale. J'écris ce témoignage pour vous faire savoir que j'ai un réveil de la parole comme je lis le livre des Éphésiens.
I feel like how Elisha's servant felt. Je me sens comme le serviteur d'Élisée s'est senti comme ses yeux s'ouvraient pour voir les chariots de feu pour appuyer Élie contre l'ennemi. Tout ce que je peux faire, c'est me réjouir tous les jours de voir que nous sommes dans un autre Éphésien et qu'il est sur le point de faire le partage de notre héritage par le quintuple ministère dans le pays du Saint-Esprit. Que l'Église dise Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je commence finalement à comprendre que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles cachées en Christ Jésus, la parole. Comme nous sommes demeurés dans le domaine spirituel et céleste de la révélation divine ces 45 dernières années, pendant que le ministère apostolique, éco-apostolique, a recyclé toute la parole qui a été révélée par Malachie 4, le prophète Malachie 4. Cette parole qui est la révélation des sept tonnerres est déjà en nous en tant que puissance cachée et elle agit comme un dynamo pour donner la puissance aux individus jusqu'à la perfection. Tout ce qu'il nous faut, c'est une étincelle du baptême de feu de la charité sur la troisième phase pour commencer le dynamo de la perfection en nous pour le faire agir, le mettre en mouvement de la foi jusqu'à la charité pour notre adoption en tant que fils et filles de Dieu. Pendant deux phases, le Saint-Esprit, à travers votre ministère, a essayé d'amener les gens à un endroit où nous pouvons voir l'entière parole de Dieu et non follatée qui est déjà dans l'épouse. Et une fois que nous voyons, cette révélation, que nous reconnaissons notre position en Christ, qui est une position parfaite, alors, une fois qu'on l'aura reconnu, nous serons une armée invincible comme nous marchons vers notre état parfait. Pendant des années, frère Coleman, je m'interrogeais sur la signification de voir nos noms dans le livre. J'avais une compréhension intellectuelle de la chose jusqu'à maintenant. Mais hier soir, Dieu, dans sa grâce, a commencé à me dévoiler les Écritures. Éphésiens 1, 3, dans la version amplifiée, comme dans son amour, il nous a élus, il nous a choisis pour lui. Comme pour être les siens, en Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, consacrés et mis à part pour lui, et irréprochables à ses yeux, sans aucun reproche devant lui en amour. Et Christ est la parole, c'est maintenant le frère qui parle, qui est aussi le livre de la rédemption, l'Apocalypse 5. Donc si Christ est les paroles du livre, et que ces paroles sont en nous, alors Dieu a placé nos noms en Christ, qui est la parole et le livre de la rédemption avant la fondation du monde. Therefore, the bride donc, is the words l'épouse in the book, est les paroles du livre, car la parole est en elle. Brother Branham said, Branham a dit, the book of redemption le livre de la rédemption is not a book of actual n'est pas un livre de noms but littéraux, it contains the revelations mais il contient la révélation qui appelle à sortir tous les groupes, chacun pour son jour, son époque. Et le livre, la pleine révélation de Jésus-Christ, a été prêché en tant que révélation des sept tonnerres pour appeler l'épouse à sortir de dessous le septième sceau et nous placer dans cet âge de l'épouse éternelle. Donc, lorsque nous disons Amen à la parole qui est prêchée le dimanche et le mercredi, nous reconnaissons que nous voyons nos noms dans le livre et la parole qui est en nous, qui est notre nom, est prononcée depuis la chaire. Quelle révélation! Vous pouvez vous asseoir. Praise his holy name. Gloire à son Saint-Nom. Feel good. Je sens bien.
That is what Revelation 5 worship is all about. Voilà ce que signifie l'adoration d'Apocalypse 5. C'est le fait de reconnaître que nos noms sont dans le livre. And as a result, et comme résultat, cela crée act of King Lamb worship. Une adoration spontanée à l'agneau roi. Therefore, a person donc, that does not worship quelqu'un qui n'adore pas has not seen their name n'a pas vu son nom because the word parce que la parole that is being preached qui est prêchée has been blocked from their hearts due to their reasoning a été bloquée dans leur cœur par leur raisonnement et leurs émotions. So they remain in their seats quiet, donc, ils restent à leur place silencieux, ne sachant pas that they have been, that they have redemptive rights qu'ils ont des droits to an eternal inheritance de rédemption, un héritage éternel qui a été laissé par Dieu. C'est ce que vous faites quand vous êtes tout silencieux. Mais l'épouse, elle, elle adorera comme ils voient leur nom qui est révélé par le quintuple ministère qui agit en tant qu'instrument de Dieu pour appeler les noms dans le livre sur la troisième phase pour l'adoption des enfants. Et comme ils adorent et qu'ils répondent à la parole, les bénédictions spirituelles liées à la parole alors vont se déverser sur celle-ci, sur l'épouse. As you worship, comme vous adorez, every spiritual blessing is being toutes les bénédictions spirituelles upon you. Se déversent sur you vous. May be seated. Hallelujah. But before he pours out mais avant qu'il, se déverse, qu'il déverse les bénédictions, God wants to hear from us Dieu veut nous entendre if we really see our names being pour voir preached. Si nous voyons vraiment que like nos noms Brother sont prononcés. Said, comme frère Joel Chavez l'a dit dimanche dernier dans son témoignage, the bride will worship God, l'épouse adorera not Dieu, only in spirit, non seulement en esprit, but also in truth. Mais aussi en vérité. And the truth is the et la vérité est la révélation of the word for the hour de la parole that we are living. Pour l'heure dans laquelle nous vivons. And today, we know et aujourd'hui, nous savons que la vérité est la révélation des sept tonnerres, qui est la pleine expiation du sang. Donc, c'est plus fort que moi. Il me faut louer mon Dieu avec l'adoration à l'agneau roi, parce que j'ai vu mon nom et je sais que je vais être à son image même sur cette terre pendant cette saison de l'adoption. Brother Coleman, Frère Coleman, all I can say tout ce que je peux dire, is that I know c'est que je sais that we are now in another que nous sommes maintenant dans un autre Éphésien et qu'il n'y a rien qui empêchera le flot de bénédictions de venir sur l'épouse. Comme vous l'avez dit, dans, abordant le septième sceau ou approchant le septième sceau à la page 29, quand l'épouse sera connectée à ce troisième pot, ce sera comme l'onction qui descendait depuis la tête d'Aaron jusqu'à partout sur son corps. Et comme la pierre principale descend, la charité, l'onction va s'écouler depuis la tête sur le corps de l'épouse autour du monde et consacré pour le service sur la troisième phase, sachant que nous nous sommes déjà connectés au troisième pôle du prophète qui est l'ouverture de la parole et les mystères qui sont révélés. Je viens à l'église avec une joie encore plus grande et une expectative dans mon cœur pour que Dieu me parle comme il appelle mon nom dans chaque service. Every service. Chaque service. Hallelujah. Praise his holy name. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. What a testimony. Quel témoignage. I hope this testimony j'espère que ce témoignage refreshing to your soul. Sera un rafraîchissement pour votre âme. Comme mercredi soir, le message l'a été pour moi. Vous êtes un véritable exemple pour moi qui me montre comment je dois marcher devant Dieu dans cette saison de la perfection. Prenez courage, frère Coleman, parce que même dans votre épreuve actuelle, Dieu place devant le monde un type du ministère de Jésus-Christ pour que l'épouse puisse voir l'heure dans laquelle elle vit. Parce que comme Paul a été enfermé en prison dans une maison et a prêché les Éphésiens à l'épouse primitive,
using another apostle. Dieu, encore une fois, utilise un autre apôtre. Of sickness in Westbury, Long Island, dans une maison dans la maladie, une maison de repos, to this last day bride, pour prêcher cet Éphésien à l'épouse du dernier jour, afin que nous puissions parvenir à la perfection. Je prie sans cesse pour vous, que Dieu vous guérisse ainsi que Sœur Coleman et coiffe la pyramide de vos vies pendant cette saison d'Éphésiens. Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse, votre frère en Christ, Benjamin Lévy. Amen, amen. What a testimony. Quel témoignage. Praise God, amen. Hallelujah. You feel that way this evening? Avez-vous ce sentiment-là ce soir? Being called every service? Est-ce que vous entendez votre nom qui est appelé, amen, you may be seated, dans chaque service? So, these are Brother Coleman's comments. Donc, ce for this sont evening. Les commentaires de Frère Coleman. Church, ce soir. Tonight's message, l'Église, le message is ce soir. Therefore, give me this mountain. Donnez-moi cette montagne. Donnez-moi cette montagne. 6 février 1983. C'est le troisième message dans la série de Josué. And the Holy Spirit told me, told Brother Coleman, le Saint-Esprit m'a dit, donc, à Frère Coleman, switch the tapes and put change the l'ordre de la bande image et fais jouer la formation de l'image parole dimanche soir. Donne-moi donc cette montagne ce soir. You may ask yourself why, Brother vous pouvez vous demander quoi, pourquoi, night, dit Frère Coleman. Image, dimanche soir, la formation d'image parole, tout a été expliqué concernant la troisième phase. Il nous a été dit comment nous allons naître jusqu'à l'adoption. Amen. We were told how to get to the top. Il nous a été dit comment hallelujah, and to parvenir die au sommet et mourir à vous-même, we obéir à la parole. Il nous a tout été dit. Dimanche soir dernier. And we were told what mountain il nous a été dit quelle montagne nous allons posséder. Nous allons nous emparer du mont Pyramide. Hallelujah. This is everything that was told to us this past tout nous a Sunday été night. Dit dimanche soir you dernier. So Brother Coleman says, so now this evening, Coleman dit maintenant ce now soir, that you know what you're looking maintenant que for, vous savez à quoi vous now attendre, therefore this evening, maintenant, ce soir, donnez-moi cette montagne, donnez-moi cette montagne. What mountain are you looking for? Quelle montagne voulez-vous? Je veux le mont Pyramide, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Je veux voir toutes ces vertus nées en moi par cette mort à moi-même. So Brother Coleman says we should be under expectation. Donc, Frère Coleman dit que nous devrions être dans l'expectative ce soir and for Sunday. Et pour dimanche. We should be under expectation. Nous devrions être dans l'expectative ce soir and Sunday. Et dimanche. A brother from India, un frère de l'Inde a téléphoné à Frère Musgrove pour lui dire combien il avait pris plaisir à entendre le message de Frère Tim et que le Saint-Esprit s'était déversé en Inde. Et dans l'église de Frère Musgrove, le Saint-Esprit s'est déversé. Dimanche dernier, il y avait deux ou trois personnes qui ont été remplies du baptême du Saint-Esprit. Et Frère Coleman dit que ces messages ne nous sont pas donnés simplement pour qu'on s'assoie et qu'on attende que quelque chose arrive et qu'on provoque quelque chose à l'intérieur de chacun de nous là, pour que nous puissions faire former une église qui provoque un réveil au point où les gens viendraient en avion de partout disant qu'il y a quelque chose qui a été manifesté. Écoutez, Église, ceci devrait vous mettre dans l'expectative, plonger dans l'expectative, le pousser à bout pour que vous soyez rempli ce soir, comme vous êtes là à votre place, comme le message est prêché, vous devriez être dans l'expectative et le pousser à bout, sachant que l'ange du sceau a déjà commencé à se manifester. Il est partout dans l'endroit, il est partout autour dans le monde. Et il est à New York en ce moment, à l'instant même. Et Frère Tim, ce dimanche dernier, il a dit en Éphésiens, il y a deux choses. Soit relâché ou aspiré à. Et si vous aspirez, à ce soir, eh bien, vous avez cette expectative. Vous avez ce poussé à bout. Et vous aspirez à la promesse. Ça ne veut pas dire que simplement parce que c'est mercredi soir que le Saint-Esprit ne peut pas se déverser. Et c'est souvent déversé le mercredi soir, le Saint-Esprit.
ceci pour être un mercredi soir que vous n'oublierez jamais. En tant qu'individu, comme vous passez le pas pour entrer dans le baptême du Saint-Esprit, dans la promesse, il peut vous sceller à votre place. Beaucoup de vous, jeunes frères, vous attendez le Saint-Esprit. Beaucoup de vous, jeunes sœurs, attendez le Saint-Esprit. Et vous, Caleb, vous vous êtes accrochés, vous êtes tenus fermes pendant bien des années. Et qu'en est-il ce soir, dans ce réveil de la révélation des sept tonnerres, qui va bientôt se changer en manifestation? Vous pouvez vous asseoir. Donc ce soir, c'est le dixième message depuis le 9 avril. Et dimanche, ce sera le onzième depuis le 9 avril. Ce sont des jours qui sont importants, des jours significatifs. Et Dieu voulant, Frère Coleman dit qu'il y aura des prédications vivant en direct qui seront là après les bandes. Frère Coleman espère être guéri pour qu'il puisse venir nous parler après la bande directement. Aimeriez-vous ça? Croyez-vous que c'est possible? Croyez-vous qu'il y a une possibilité que même ce soir, comme nous sommes en service, si vous continuez à prier, Dieu peut guérir son serviteur? And here's the reason, friend. Et voici pourquoi. Frère Coleman ne peut pas se guérir lui-même. Il compte sur vos prières, sur les miennes, pour qu'il soit guéri. Il ne peut pas se guérir lui-même, mais vos prières, mes prières, qui bombardent, prennent d'assaut le ciel. Seigneur, guéris notre pasteur, guéris ton apôtre. Dieu entendra toutes ces prières qui montent et il répandra l'onction sur Frère Coleman et guérira son corps. Et si c'est la volonté de Dieu, il y aura une prédication directe dimanche. Mais dans chaque service, Frère Coleman dit prier pour cette effusion puissante de la dynamique et la guérison de frères et sœurs Coleman. Chaque jour, chaque soir, chaque service, priant et disant, Seigneur, envoie l'effusion, envoie la dynamique, Seigneur. Guéris ton serviteur, Seigneur Jésus. Guéris sœur Coleman, Père. Amen. You may be seated. And this evening, et ce soir, amen, on this special day, alors ce jour important, nous savons qu'aujourd'hui c'est le 7 mai. Le 7 mai 1946, l'ange du Seigneur est descendu et a donné une commission à William Marion Branham, le prophète de Dieu pour ce jour. Hallelujah. Ne serait-ce pas merveilleux si ce même ange descendait ici ce soir pour vous sceller dans le royaume de Dieu, pour vous remplir à nouveau du Saint-Esprit et que vous puissiez commencer votre voyage dans cette saison de l'adoption? Je vous dis donc de la part de Frère Coleman, donnez-moi donc cette montagne. Je veux ma montagne ce soir. Alléluia. I'm going to pull down the Holy Spirit. Je vais faire descendre le Saint-Esprit. Où que je sois assis, je vais provoquer quelque chose ce soir. Je vais lui dire que je veux être rempli du Saint-Esprit et être rempli à nouveau. Ce soir, je crois que ce sera un soir spécial. Dieu vous bénisse richement. Donnez-moi donc cette montagne, Frère Norman.